je vais aller à mon bureau, il est environ 9h du matin, et quelque chose m'a guidé. J'ai pas arrêté ma voiture, j'ai continué, j'étais guidé. Il a fallu que j'aille dans le parc des volcans d'Auvergne, et dans le puits de la Sola, j'ai continué à pied jusqu'au centre du cratère. Et là, j'ai vu une lumière blanche clignotante dans le ciel, très violente. Un engin est apparu en forme d'une cloche aplatie, fait d'un métal argenté très brillant. Un être est descendu par l'escalier qu'on voit là, qui est sous l'engin. J'ai vu deux jambes, puis le corps entier d'un être très petit. Il s'est avancé vers moi avec beaucoup d'amour, d'harmonie, un regard extraordinaire, des yeux très en amande, comme certains Japonais. Ensuite, il m'a demandé de le suivre dans l'engin, ce que j'ai fait. Et ça, c'est le début de l'histoire. C'est ici que Claude Vaurion, soi-disant, dans les années 70, a pris cette route et s'est rendu au puits de la Solace. Et là, nous allons rentrer sur un petit chemin de terre pour se rendre au puits de la Vache, puits de la Solace. Et aujourd'hui, nous avons les entraînements des pompiers qui nous ont gentiment renseignés. Il n'y a pas le feu, malgré qu'on soit dans un volcan, mais nous sommes bien arrivés là où, soi-disant, Claude Vaurion a rencontré les Elohim. Nous sommes au puits de la Solace, là où Claude Vaurion a rencontré, soi-disant, les Elohim, les extraterrestres. Alors pour cela, j'ai pris des appareils. Bon, j'ai pris le pendule, bon ça j'y crois pas trop. J'ai pris les baguettes, la boussole également. Et j'ai un appareil qui fait compteur GGR, donc qui détecte les sievers, donc la radioactivité. Donc cet appareil, c'est celui-ci, le FN-NIRSI. Donc je vais l'allumer. Voilà, je l'allume. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Et je me suis rendu compte que, ici dans la montée, donc nous sommes presque au sommet du puits de la Solace, eh bien vous allez remarquer, la radioactivité grimpe légèrement. Voilà le détecteur. Là, en étant picosievers, et à 80, il devrait biper. Tout à l'heure, j'ai eu un pic de 80 picosievers. Et là, maintenant, je suis à 0,000.09 picosievers, donc pas de radioactivité. Mais malheureusement, je n'ai pas su filmer, mais l'appareil a bipé à 80 picosievers. J'ai voulu remesurer, et ensuite, plus rien du tout. Alors, nous allons faire un appel au soi-disant Elohim que Raël a rencontré ici. Alors, montrez-vous. Il paraît qu'ils vont revenir en 2035, mais ils peuvent revenir avant.
Je suis au sommet du puits de La Solace, là où, soi-disant, Claude Vaurion a rencontré les Elohim. D'après la légende, naturellement, j'ai pas dit que j'y croyais. Hein. Alors j'ai pris mon détecteur de radioactivité, et je suppose, parce qu'il y a énormément de pentes au puits de La Solace, et ici c'est assez plat. Donc je vais retourner la vidéo tout de suite. Hein. Et vous pouvez constater que c'est assez plat. Là on est à plus ou moins 1108 mètres. Donc voilà. Donc on suppose que c'est ici que son soi-disant engin a atterri. Voilà. Bon, maintenant j'ai eu tout à l'heure 80 picosieverts avec mon appareil qui est ici. Donc le FN NIRSI, voilà, qui est assez précis. Bon, ça dépasse pas 15 picosieverts, donc c'est rien du tout. Mais tout à l'heure, j'ai eu 80. J'ai eu 80 picosieverts. Mais s'il y avait eu un engin, généralement, quand il y a des extraterrestres ou soi-disant des ovnis qui atterrissent, ben, il y a une manifestation, des pics de radioactivité. Et ici, il n'y en a pas. Bon, je suppose que comme c'est quand même une roche volcanique, il y aurait un petit peu de radioactivité. Je ne suis pas spécialiste, mais là je suis à 13, c'est tout à fait normal. 13 picosieverts heure, donc tout à fait normal. Donc, petit pèlerinage donc où Raël a rencontré les Elohim. Bon, on va voir si l'appareil va s'enclencher. Là il y a une petite montée. On est à 16, mais c'est tout à fait normal. 17, ah on monte, ah ça monte. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Bon, comme je disais, je sais pas si vous voyez bien la courbe, on est à 12, 10, une petite montée mais très 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 légère. Alors la prochaine enquête, comme ça, avec mon appareil détecteur de radioactivité, je le ferai à Caroubles, là c'est dans le nord. Je vais retourner dans le Bucarache, ça sera l'année prochaine. Alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de pèlerins. Généralement, dans une secte, il y a toujours des gens qui viennent en pèlerinage. Bon, ceci dit, Claude Vaurion a bien choisi son endroit parce que c'est très 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 joli. Ça, on peut lui laisser. Bon, voilà, on approche du sommet du puits de La Sola. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un pic de 16? Voilà, on est en haut. On est à 18 picosieverts, 16. Mais je vous assure que tout à l'heure, on est à 18 picosieverts, 13 de nouveau. Donc ça fluctue. Donc ça peut être les ondes du portable. Mais tout à l'heure, on a eu 80 et l'appareil a sonné. Je fais l'appel au ciel, on ne sait jamais. Est-ce que les Elohim sont là? Venez me voir. Non, pas d'Elohim. Ou alors ils se cachent, ils sont comme les Klingons, en invisibilité. Hein, occultés, en vaisseau occulté peut-être. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait?
sait jamais. Est-ce que les Elohim sont là? Venez me voir. Non, pas d'Elohim. Ou alors ils se cachent, ils sont comme les Klingons. On se disait qu'il a quand même bien choisi son endroit. Alors, petite expérience avec Christine, qui est spécialiste avec son pendule. Elle a posé la question où le vaisseau de Raël s'est posé. Attention, tu ne casses pas la figure là. Forcément. Que doit faire le pendule, Christine ? Il s'arrête. Elle commence un peu le mouvement. On peut tourner. Et il s'arrête quand même ici. Bon, c'est pas une science exacte. Je vais essayer avec le mien. D'aller plus par là, ici là. Plus de mouvement. Et donc là, il s'affole. Je vais revenir sur mes pas. Voilà, là il s'arrête. Donc ce serait ici. On a fait les baguettes de sourcier à cet endroit, il y aurait quelque chose. Mais bon, c'est certainement une onde tellurique en géobiologie, comme on est en terrain volcanique. Donc, les lignes d'Hartmann et de Curie qui passent par ici, forcément, que c'est géomagnétique. Les spécialistes le diront. Nous voilà donc arrivés à cette conclusion de cette enquête au Puy de la Sola où Claude Vaurion, donc Raël, a rencontré les extraterrestres. Déjà, il nous dit que c'est dans le cratère du Puy de la Sola. C'est peut-être là parce que cette vidéo que vous voyez en ce moment, c'est le cratère du Puy de la Sola, mais c'est sur le côté. Donc ce n'est pas l'intérieur parce qu'on ne peut pas dévier des chemins. Tout est balisé, donc on ne peut pas aller plus loin. Il faut bien suivre les chemins, sinon on risque d'avoir un garde champêtre qui vient nous faire la petite remarque, ne pas aller dans le cratère. Donc déjà, il y avait des promenades qui étaient fermées, donc on a été obligé de suivre le chemin balisé. L'appareil qui détecte la radioactivité donc, est monté la première fois, une fois que j'ai allumé, à 80 microsieverts et non pas picosieverts comme je dis dans la vidéo. Je débute, c'est la première fois que je l'ai utilisé, donc soyez indulgents. Le microsievert est la mesure la plus courante utilisée pour détecter donc la radioactivité. Deuxième point. En visionnant les roches, je tombe sur un objet qui passe très rapidement. Est-ce un objet? Est-ce un insecte? Est-ce un drone? Est-ce un oiseau? Ça, c'est à vous de décider. Mais c'était quand même impressionnant et ça me laisse dubitatif. Alors, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi si c'est un ovni, si c'est un insecte ou un drone ou autre chose que j'ai capté à ce moment-là au Puy de la Sola. Est-ce que les Elohim m'ont entendu et ont-ils voulu me faire signe? Mais en aucun cas, je ne rejoindrai la secte de Raël. Voilà, peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il a fait une bonne affaire en inventant cette histoire d'Elohim qui les contacte. Qui sait? On ne sait jamais. Prochaine enquête, bientôt dans le nord de la France, là où il y a eu un atterrissage. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bientôt, il y aura des rencontres de l'extraordinaire avec Thierry Rodan, où on se retrouvera en réel sur Bruxelles ou sur d'autres villages en Belgique. C'est à vous de décider, c'est impossible ou pas. À bientôt. Abonnez-vous, la petite cloche, et surtout, restez serein
Et surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Au revoir.